Bonjour à tous, nous sommes toujours au 8e festival de la fiction, festival international à Luchon. J'ai la chance, et j'ai envie de dire j'ai la chance parce que nos internautes le savent, on reçoit beaucoup de comédiens de télé. C'est assez rare de recevoir des comédiennes de cinéma et là je suis très content, j'ai Agnès Soral à côté de moi. Bonjour Agnès. Bonjour. Alors Agnès, je vais te poser une première question, on va parler un peu de ton actualité. Qu'est-ce qui nous vaut ta présence à Luchon ? La Voix de Laura, un téléfilm de Gérard Cuc avec Marie Gillin qui fait donc sa première entrée dans le petit écran. Et c'est deux épisodes, voilà. C'est, enfin, c'est en compétition ou c'est hors compétition ? C'est en compétition. Stressé ? Non, pas du tout. Ah non ? Ok. Alors, pas pour ça en tout cas. Pas pour ça ? D'accord. Pas pour moi non plus. Ok. Donc tu n'es pas sans savoir qu'à castingsort.com, on en parlait tout à l'heure, on s'adresse aux comédiens. Et j'aimerais te poser une première question sur ta formation. On va commencer au début. Quelle est ta formation de comédienne ? Méthode Stanislavskienne, de Stanislavski. Donc c'est la même chose que Lee Strasberg qui a dit... Enfin, à Casting Surf, on connaît. Hein. Lee Strasberg, Stanislavski, on connaît. Hein. Par contre, c'était au sein de quelle école ? École privée ? Est-ce qu'il y a eu le conservatoire ? Est-ce qu'il y a eu la rue Blanche ? J'ai fait conservatoire et ensuite j'ai eu la chance ou la malchance de débuter très jeune. Donc à l'époque, j'ai fait le conservatoire de Grenoble avec un petit peu d'avance que j'ai un peu triché sur mon âge. Ils m'ont gardé parce que c'était des profs assez cool et que j'avais été reçue à l'unanimité. Ensuite, ils m'ont conseillé d'aller au conservatoire de Paris et le problème, c'est que je me suis mise à travailler très vite et on n'avait pas le droit de travailler quand on suivait la formation. Donc, j'ai voulu faire la rue Blanche et en fait, ma spontanéité m'a un peu perdue. J'avais vu une pièce de La Biche et La Biche, bon, qui demande un certain rythme et en plus il y a des apartés au public et j'ai dit au comédien génial, vous vous moquez du travail poussiéreux des aînés, etc. Et en fait il se moquait pas du tout du travail poussiéreux des aînés, donc je n'ai pas osé y remettre les pieds. J'ai aussi été dans le cours de George Wilson et de Françoise Lebaille, d'où j'ai été virée par les élèves parce que j'ai fait rire sur les Troyennes de Jean-Paul Sartre. Ah oui, donc on touche pas à l'institution, quoi. Non, non, mais c'était... Moi, j'ai regretté. Hein. J'en souris parce que, bon, on relativise en... plus tard, mais moi, je l'ai très, très mal vécu. En fait, j'aurais voulu avoir le temps de faire une vraie formation, apprendre tous les corps de métier, en fait, du théâtre. Parce qu'en fait, je voulais faire que du théâtre et j'ai fait par accident du cinéma et ça m'a coupé du théâtre pendant assez longtemps. Alors on va en reparler ce que tu dis parce que je trouve ça intéressant. Par contre, je voulais dire aussi que je suis dans le film de Ne laisse pas tomber les oiseaux du ciel d'Eliane de la Tour, qui est un film qui a été tourné en Côte d'Ivoire pendant le début de la guerre civile, qui va passer là le 15 février au Festival de Berlin. Parfait. C'est entendu. Ceci dit, on pourrait le dire à la fin aussi, on va le répéter à la fin. Mais... Je dis ça parce que d'un seul coup, je pensais à l'actualité et je me souviens juste de mon souvenir. Ok. Quand je t'ai demandé ta formation, le premier mot que tu as eu, c'est la méthode Stanislavski. Moi, ça me fait... J'ai envie de te demander, un, est-ce que ça t'a marqué ? Pour que tu m'en parles comme ça à brûle pour point. Deux, qu'est-ce que ça t'a apporté en tant que comédienne ? Est-ce que tu as le sentiment que ça t'a apporté quelque chose de particulier ? Parce qu'il y a pas mal de méthodes. Stanislavski en est une. Mais pourquoi Stanislavski plus qu'une autre ? Je crois que c'est la meilleure. C'est la meilleure. J'ai eu la chance d'avoir des très bons professeurs qui étaient en plus des bons comédiens. Donc, qui m'ont appris une méthode efficace de travail qui est... Bonjour. Je le connais pas, quelqu'un qui me dit bonjour, qui m'a, enfin, m'a appris à avoir un crayon et une gomme et à marquer les choses et à accepter de pas forcément les comprendre tout de suite, ce qui peut paraître bizarre. Et la méthode, enfin les deux méthodes
appelle la mémoire sensorielle, sensitive, et l'espace dans lequel on est. J'ai fait aussi un travail de masque avec Mario Gonzalez, que j'ai compris mais des années plus tard, un jour, quand j'étais sur scène, et qu'il a fallu corriger en fait, faire de l'équilibre de plateau. D'un seul coup, j'ai compris en le faisant ce qu'on avait tenté de m'enseigner, que j'avais suivi en me disant je comprends rien, mais c'est pas grave, je le fais. Et j'ai compris après la scénographie qu'on avait tenté de m'enseigner pendant des années. Donc je pense que un enseignement, bien sûr, c'est aussi les élèves qui font partie de l'école, qui viennent en plus enrichir le lieu où on apprend. C'est-à-dire, si on est dans une bonne cuvée, ce sera plus facile. Par contagion, je dirais qu'on va corriger ou se contaminer au niveau de nos tics et de nos défauts. Voilà. On dit souvent de la méthode de Stanislavski, à tort peut-être, et en tous les cas grossièrement, que c'est aussi une méthode psychanalytique. Tu en penses quoi de ça ? Que c'est aussi un travail psychanalytique ? Je sais pas, non, disons qu'on est obligé de le passer par soi-même, ce qui me semble logique. Même un rôle de composition, ce que je pense avoir fait pas mal. Même là, le téléfilm, c'est un rôle de composition. Ou un travail comme Ciao Pantin, c'est sûr que si on le passe pas par quelque chose qu'on a en commun avec le personnage, même si aussi minime soit-il, et qu'on part pas de soi un tout petit peu, on a un risque de se planter. C'est un miracle si on ne se plante pas, maman. Je pense que l'acteur est... Ce qui est le plus intéressant chez lui, c'est ce qui lui échappe. Donc il y a le travail, et à un moment donné, comme un équilibriste ou comme un jongleur, il ne faut pas qu'on voit le travail ensuite. Il y a plusieurs stades de travail. Mais à un moment donné, il faut oublier tout et lâcher et être dans son propre instinct. Donc en ça, si c'est de la psychanalyse ou psychanalytique, je sais pas, c'est sûr que on peut fabriquer, on n'est pas obligé de tuer quelqu'un pour jouer un bon tueur. Hein. Mais on peut avoir une observation en tout cas sur des gens qu'on pense pouvoir voir devenir criminels ou...